know what it means. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de troll le beau-frère. On va essayer de pousser ça jusqu'à même lui dire s'il n'a pas vu la vidéo d'hier et que vous en gros les abonnés vous m'aurez dit que les pneus de la motocross étaient bien sûr complètement à plat, qu'ils étaient fracassés et que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un trou dans le pneu. Vraiment, on va essayer de se foutre de sa gueule. Bon, on va essayer de le faire intelligemment parce que si je lui dis « Ouais le bof, salut, ouais tu vas bien ?» Ouais, les roues du scooter, elles sont mortes. Hein. Il va me dire, arrête de me prendre pour un con. Là, il faut que je, vraiment je lui dise, ouais, la vidéo hier, mes abonnés l'ont vu et tout, tu l'as pas vu et tout. Bah, t'as pas vu au bout d'un mois le pneu les crever. Je vais essayer de le faire vraiment douter ouais, avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager. C'est quelques abonnés qui m'ont donné hier l'idée dans la vidéo d'hier de la motocross où j'ai carrément tout montré les motos. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à liker, à mass liker cette vidéo si vous aimez toujours autant les pranks. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. C'est vrai que les pranks en ce moment, on n'en sort plus beaucoup. En ce moment, j'aime beaucoup faire du Fortnite, du gameplay un petit peu, ça me fait plaisir. D'ailleurs, autre chose, les frères et sœurs, n'oubliez vraiment pas de me suivre sur Snap. J'en vois plein, comme d'habitude, qui se plaignent de ne pas recevoir les notifications de YouTube. C'est simple, les gars. En fait, YouTube, aujourd'hui, ils s'en battent les couilles de tout. Ils sont milliardaires. En fait, quand ils veulent te faire disparaître, ils te font disparaître. Quand ils veulent que ta chaîne marche, boum, pendant un jour, toutes tes vidéos vont faire 200 000 vues. Ils recliquent sur le bouton, boum, le lendemain matin, toutes tes vidéos ne dépassent même plus les 100 000. En fait, c'est complètement aléatoire. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. En fait, on est devenu un petit peu, je vous dis la vérité, j'ai l'impression qu'on est devenu un petit peu leur pute, en fait. Voilà. Donc, ceux qui veulent recevoir vraiment les notifications, voilà. Le snap, il est là. C'est ce que j'ai l'impression d'être devenu pour YouTube, comme moi ou comme plein de YouTubeurs. En fait, on est devenu un petit peu leur pute. C'est un peu nos macs. Voilà, donc voilà. En gros, on marche que quand ils veulent. C'est eux qui commandent. Nous, on est des merdes. Voilà. En gros, c'est plus comme avant. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez recevoir la notification à 1000%, c'est ici. C'est sur Snap. Suivez-moi sur Snap. Au moins, je vous avertirai des sorties des vidéos. Vous pouvez pas en louper une seule, logiquement. Voilà. Des fois, je vous préviens un petit peu en retard, mais voilà. Bref, en tout cas, on va essayer de faire le prank. On va y aller. C'est parti. Désolé, je suis un petit peu blasé par tout ce qui se passe sur YouTube en ce moment parce que ça me dégoûte en fait. Je sors une bonne vidéo, je me dis putain, va plaire à mes abonnés. Bam, bug de notification. Je sors une vidéo, je me dis bon, celle-là elle va moyennement plaire. Elle fait 250 000 vues parce qu'il n'y a pas de bug. Voilà. En gros, les vidéos que j'aimerais bien qu'elles marchent, elles marchent pas. Et l'inverse, vice-versa, en fait, ça dépend des jours. Voilà. Ça dépend des heures aussi. Ah, attends, le bof. Ouais, ou Franck. Je crois que je l'avais appelé le bof. Bon, on est parti, les frères et sœurs. Essayons de ramener un petit peu de bonne joie et de la bonne humeur. Avec mon téléphone, c'est bon? Ah ouais, mais il faut pas que tu te mettes prêt. Ouais, faut pas que je me mette prêt, sinon ça va faire des ondes. Vous allez pas aimer. N'hésitez pas à aller voir la vidéo tout à l'heure. Ouais, le bof. Ouais, Franck. Ouais, tranquille et toi? Ouais, j'ai des stagiaires. Ouais, tu m'as envoyé un message? Ouais, mais c'est tout à l'heure. Il y a longtemps, hein. Ouais. Faut ouais. Réveiller le bon fond. Ouais, mais tu voulais me dire un truc? Hein? Tu voulais me dire un truc? Mais non, c'est parce que ma femme, elle n'arrivait pas à voir sa femme. Ah, j'ai cru que t'avais remarqué ce qui s'est... J'ai envoyé un message, j'ai rentré jamais, c'est lui, il est réveillé. D'accord, parce que j'ai cru que t'avais remarqué ce qui s'est passé dans la vidéo d'hier, en fait. T'as regardé un peu la vidéo d'hier, je vous ouvre le carton de la motocross? Ouais, aujourd'hui, je ne pas de vidéo. Ah bah d'accord, bah je peux te prévenir en fait si tu veux, je crois que tu m'avais appelé pour ça. En fait, il y a un pneu de motocross qui est complètement troué hier, les abonnés me l'ont dit en vidéo en fait dans la vidéo. Et en fait, ah bah, je l'ai remarqué tout à l'heure, il y a un putain de gros trou en fait dans une roue de la moto. C'est pour ça que je te dis justement si t'as vu la vidéo. Moi personnellement j'ai cru que t'avais vu la vidéo en fait. Je croyais que t'avais vu la vidéo, que t'avais vu le pneu crever. Bah en fait, crever. Bah, en fait je pensais qu'on réglait, il m'avait appelé pour ça. Ouais, en fait, c'est pour ça que Lia aussi, elle pensait qu'Aurélie avait appelé pour ça. Aurélie, elle m'a dit, appelle-moi dès que tu peux, urgent. Et je pensais que c'était parce que vous avez vu la vidéo aussi. Non, j'ai rien vu du tout. Non, je vais pas te mentir, dans le box, je suis pas dans le truc de la vidéo là depuis hier soir, tu vois. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. T'as pas vu, t'as pas hier soir, même hier, t'as pas vu, j'ai pas pu sortir de vidéo. Du coup, d'ailleurs, du coup, vous venez samedi, c'est ça, si j'ai compris? Ouais. D'accord, et du coup, on fait comment pour le pneu? Le pneu. Ouais. On mettra une bouée, on va se débrouiller, t'inquiète, on met une bouée au calme. Ah, une bouée qui fait la taille pratiquement de ma main, quoi. Ouais, tranquille, non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais l'appeler, je vais dire on a reçu, j'ai mon bof, il a pas ouvert le carton, que ça arrive chez toi, je vais l'envoyer.
dans les 4 ans, elle va me renvoyer un pneu et puis c'est bien fait, voilà. Vas-y, pas de problème. Vas-y. Faut qu'elle va me donner le pneu. Hein? Faut qu'elle va pas me donner le pneu, qu'elle m'énerve pas parce que je suis déjà assez agacé depuis hier, alors qu'elle m'énerve pas, c'est pas le moment. D'accord. Et le pneu, c'est quelle marque? C'est la marque Prank? Vous allez arrêter, vous. Tu vas arrêter. Mais tu es mort, en plus, j'ai senti, tu vas arrêter. En plus, je t'ai trouvé un beau nom. Quel bon nom? Je t'ai trouvé un nom magnifique sur internet maintenant. Comment ça? Bah, j'ai mélangé entre Prank, Frank, et. Fait... Et en fait, c'est. Je te le dis ou pas? Quoi? Frankenstein. C'est toi? Non, c'est ton blaze. Le pape, moi je te dis, écoute bien le pape, c'est la misère, pourtant, puis je viens plus tôt. C'est la misère. Allez, on t'attend, Frankenstein, on t'attend. Attends-toi à subir quelque chose que t'as jamais subi dans toute ta vie. Non, Frankenstein, va doucement quand même. Non, mais. Ah, écoute, la belle-sœur, dis-toi, c'est pareil, hein. Tu peux lui dire, hein, c'est pareil, y'a plus de me. Non, c'est ma belle-sœur. Eh ah ouais, mauvaise nouvelle pour toi, Franck, j'ai mis en fait une serrure sur la porte maintenant. La porte de quoi? La porte de la chambre. Et que je n'en fous de ta serrure et de la porte de ta chambre. Bah tu peux pas rentrer. Bah t'es genre des fenêtres. Ouais mais elle est volée. T'as dit que t'es dans un bunker à ce que je cherche. T'es dans un bunker. Et au pire, j'ai un tournevis, t'inquiète. Il va dévisser la serrure. Ma belle-sœur ou mon beau-frère, bon lui, moi, je sais que le bon, il est toujours réveillé après la belle-sœur. Mais je sais que ma belle-sœur, je peux toujours l'acheter, tu vois. Je sais qu'avec ton beau-frère, je sais qu'il y a toujours moyen de négocier. Ah, t'inquiète. Ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais justement, je voulais travailler parce que je me suis dit, il va pas y croire. Mais je me suis dit, si je lui dis la vidéo d'hier, s'il a vu et tout, là, c'est... Et quand tu m'as dit que tu l'avais pas vu, j'étais aux anges, là. J'ai dit, ah, c'est bon, là, on peut l'avoir, le boss, là, on peut l'avoir. Bon, ben voilà. D'accord, pas de soucis. Bah je te laisse Frankenstein. Mais tu me saoules, je sais même pas la visage que je vais vous faire en vrai. On t'attend Frankenstein, on t'attend. Mais j'arrive samedi, tu vois, j'arrive plutôt prévu en plus, tu vois. Ouais, bah en plus il vient samedi, les frères. C'est bien fait, parce que quand je monte ta moto, autant je mets pas les frères. Hein. Ah. C'est dans ton avou. Ouais, non, ça va, super. En plus, je te ramène mon Rottweiler de la campagne, ça veut dire quoi, toi, je te ramène mon Rottweiler de la campagne. Non, parce qu'elle m'a dit, Aurélie, ton chien il a mangé les pneus de ta moto, donc je lui dis, oulala, va pas me mettre ton Rottweiler là, de la campagne là, dans le. Ah ouais, bah non, Hala, mais c'est bien au moins, on va bien s'amuser avec lui. Je pense qu'il va bien nous kiffer ton chien. Ah bah je défile partout. Hein. Vas-y, le bof, vas-y, prends son temps. Vas-y, ciao. Ciao. D'ailleurs, oui, il m'a rappelé le bof, en fait, ils viennent samedi, du coup, encore plus tôt que prévu, du coup, on va monter les motocross plus tôt que prévu, pour ceux qui veulent savoir, donc du coup, peut-être qu'on fera de la motocross un peu plus tôt que prévu. Ouais. Normalement. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans l'espace commentaire si vous voulez, en fait, que je fasse une vidéo, et ça là, je sais qu'elle peut vous plaire, une vidéo, en fait, où je pars avec vous, en vidéo, aller acheter ma tenue de motocross, celle-là, elle peut leur plaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, et moi, je vais acheter mon casque. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Il est où le détecteur de... Ah voilà, le détecteur de trucs avait disparu. L'antifloutage, il avait disparu. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et d'Amifa. C'était GameX13. Elia, peut-être un petit mot de fin. Merci à tous, à très bientôt. D'ailleurs, en ce moment, ils montent tous des facecams. Hein. Ouais. Réponds-leur, tu sais. Non, bah en fait, je suis malade pour l'instant. Donc quand je serai plus malade, d'accord. Mais je suis malade en ce moment. C'est pas vrai. Arrête de mentir, tu sais très bien que c'est vrai. Non. Pas vrai, ment pas, il faut pas mentir. Non, bref, plus sérieusement, les frères et sœurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Bah, dis-le, je suis malade en ce moment. Oui, elle est malade en ce moment. C'est vrai. Bon, j'espère que vous avez aimé en tout cas ce petit prank à la con. J'espère en tout cas que vous avez kiffé parce que bientôt il va arriver ce con-là et il va nous faire chier Frankenstein. Putain, appelez-le Frankenstein sur sa chaîne, n'hésitez pas. Le lien de sa chaîne d'ailleurs sera en description. Hein. Allez-y sur la chaîne de Frankenstein, n'hésitez pas à liker, commenter sur sa chaîne. Et puis voilà. Bref, à très très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis voilà, ne dépendons pas de YouTube, dépendons-nous plutôt de Snap, hein, ça marchera un petit peu mieux. Dépendons-nous de Snap. C'est même pas ce qu'il dit. Je vous remets mon Snap ici, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Snap, et vraiment c'est là où vous aurez les liens des vidéos. Bref, prenez soin de vous, Damifa, c'était GameX13 Elia. Ciao.
take my hand through the flame. I do.